Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne comme d'habitude. Et ce ne sera pas un tutoriel maker, ce sera une astuce beauté. C'est une astuce beauté hyper indétrônable, quoi. C'est quelque chose que toutes les femmes devraient faire ou devraient s'habituer à le faire. Et le démaquillage, c'est le fait de nettoyer la peau, de purifier la peau, de rendre la peau saine. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des trois étapes pour permettre un bon démaquillage de la peau. Et ces étapes-là, ça passe par déjà le démaquillage, ensuite le nettoyage et enfin l'hydratation du visage. Donc pourquoi on se démaquille le visage en fait? On se démaquille le visage pour préserver la peau, pour préserver la santé de la peau et pour permettre d'avoir une belle peau au quotidien. Donc, il ne faut pas toujours se cacher sous des tonnes de maquillage. Il faut déjà commencer par soigner sa peau. Il faut déjà commencer par rendre sa peau propre afin de déjà avoir un bon rendu côté maquillage et aussi pour ne pas vieillir rapidement. Voilà. Donc, le démaquillage, il sert à tout ça. Il sert à chouchouter sa peau, à prendre soin de la peau. Ça fait partie de la routine beauté des femmes. Donc, il existe plusieurs types de peau déjà. Donc, il faut savoir qu'il y a les peaux grasses, les peaux mixtes et les peaux sèches. Donc, moi, je me situe entre les peaux mixtes à grasses. Et moi, je produis énormément de sébum, surtout sur la zone T. Et aussi vers mes joues, souvent même en bas du menton, voilà. Je brille comme pas possible quoi, quand je me maquille. Ah, faut vraiment que je trouve la base parfaite pour ne pas briller quoi. Comme si on allait prendre l'huile qui est sur mon visage à pour aller griller de la loco. Faut vraiment chouchouter sa peau quoi, voilà. Et contrairement aux idées reçues, la peau grasse a besoin d'être hydratée. C'est pas parce qu'on a la peau grasse que si on met une crème ou si on met de l'huile sur le visage pour nous hydrater, c'est pas bon, ça va nous créer. Non, c'est pas le fait qu'on hydrate sa peau ou qu'on met de l'huile sur le visage qui va faire qu'on va avoir un excédent de sébum. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que si on n'hydrate pas notre peau et qu'on continue à la graisser, la peau va se défendre en produisant encore du sébum et du sébum. Voilà. Donc, faut vraiment hydrater ça. Faut vraiment hydrater les peaux grasses, je le signale. N'importe quel type de peau, mais les peaux grasses, faut surtout les hydrater aussi. Et pour commencer, le démaquillage, c'est simple. Faut prendre un coton. Vous prenez une serviette de bain, quelque chose comme ça. Je pense qu'ils ont fait maintenant des serviettes là qui permettent de se démaquiller à l'eau simplement. J'avais vu, je sais plus si c'est Aprimark ou je sais plus trop, mais je pense que ça existe maintenant. Essayez d'en prendre. Et si vous pouvez pas prendre le coton parce que le coton ça finit vite et il faut prendre au moins 3, 4, 5 cotons pour pouvoir se démaquiller. Vous pouvez prendre votre serviette de bain démaquillante. Et après avoir pris votre serviette de bain démaquillante ou votre coton, vous prenez votre démaquillant. Moi j'utilise ce démaquillant là. Donc c'est une gelée micellaire démaquillante. Moi je pense que il enlève bien le maquillage hein, parce que ces temps-ci je me maquille beaucoup. Donc je pense que ce produit là il enlève vraiment bien le maquillage. Et je prends la gelée, je l'applique sur mon visage et je prends mon disque de coton. C'est comme ça que ça se présente. Vous prenez votre disque de coton, donc ça c'est comme ça. Et je nettoie mon visage. Je nettoie mon visage, j'enlève tout ce qui est maquillage. Et quand je finis, je vois qu'il y a encore du fond de teint ou du mascara, du eyeliner encore qui persiste. Je prends un deuxième disque de coton et je nettoie encore mon visage. Et quand je finis avec ça, je passe au nettoyage proprement dit, c'est-à-dire avec un gel pour le visage ou un savon pour le visage. Je vous avais dit dans ma première vidéo où j'avais fait une démonstration de ma routine soin. Je vous avais montré que j'utilisais un savon noir marocain, mais là je n'ai plus ce savon noir. Je vous avais dit aussi que j'utilisais du Neutrogena, donc c'est un gel nettoyant puisque moi j'ai la peau très grasse, donc c'est un gel nettoyant, Neutrogena, que j'utilisais aussi, mais je n'avais pas pu vous montrer ça dans la vidéo parce que le produit était fini. Donc, je n'ai pas pu vous montrer ça. Donc, c'est un produit qui permet de réduire les imperfections pour un teint frais et lumineux. Donc, moi, j'utilise
ce gel-là. Et avec ce gel, j'utilise ma brosse nettoyante. C'est une brosse nettoyante que j'ai pris chez Emma. Elle coûte combien déjà? Je sais plus. Soit environ 6 euros, quelque chose comme ça. Et moi, ce que je fais, j'applique le gel sur la brosse. Et je passe mon visage déjà au préalable, je rince un peu mon visage pour pouvoir accueillir la matière et je commence à nettoyer. Quand je finis de nettoyer mon visage, souvent même je vois encore des résidus de fond de teint sur ma brosse. Ça vous dit que le démaquillant simple n'enlève pas totalement le maquillage. Il faut passer par le nettoyage ensuite, quand vous finissez de vous démaquiller. Si besoin est, je reprends encore du gel nettoyant et je repasse encore, je nettoie mon visage. Et quand je finis ça, je me rince bien le visage avec de l'eau. Et je prends une serviette propre, je me nettoie le visage, je vais sous la douche, je prends mon bain. Quand je finis, je passe à une autre étape. Donc, cette autre étape que les femmes ont tendance à négliger, c'est l'hydratation de la peau. Il faut s'hydrater la peau, les filles. Il faut s'hydrater la peau. La peau, comme je disais tantôt au début de la vidéo, j'ai dit que la peau grasse doit être hydratée. Non, c'est pas parce que vous avez du sébum, vous avez des graisses sur le visage que vous n'allez pas hydrater votre peau. Ah, les filles, il faut hydrater sa peau. Donc, moi, ce que je fais déjà, quand je finis tous ces trucs-là, je prends mon huile de coco pour hydrater ma peau. Ou même vous voyez ma peau. Je n'ai pas mis de maquillage, je n'ai pas mis de fond de teint. Je vais nettoyer même pour vous montrer. Regardez. Voilà. J'ai rien mis. Voilà. Il n'y a rien. Je n'ai pas mis de fond de teint. C'est ma peau normale. Je ne fais rien de spécial. C'est ce que je fais que je vous montre. Donc voilà. Je prends de l'huile de coco. Ma caméra là, je ne sais pas si on voit. Voilà, donc c'est cette huile-là. Je mets un peu sur ma main et je frotte mon visage avec. Je frotte mon visage avec. J'hydrate ma peau et je vais me coucher tranquillement. Mais pour ceux qui ont plus de moyens, vous pouvez utiliser de l'acide hyaluronique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, pardon. Je vais vous écrire ça. Voilà, vous pouvez utiliser ça ou vous pouvez utiliser des sérums. Il y en a dans plusieurs marques, hein, la Roche-Posay, Yves Rocher, The Body Shop. Ils ont tout ça chez eux. Vous pouvez acheter ça là-bas. Même sur Amazon, il y en a plein de sérums. Mais moi, je n'utilise pas. Moi, je préfère prendre ma bonne vieille huile de coco. Je mets sur mon visage et je vais dormir. Quand je finis comme ça, je suis en paix, je suis tranquille. Et je n'ai pas la peau qui tiraille. Quand je me maquille, ça donne un rendu propre, ça donne une belle peau, ça donne un effet soyeux. Parce qu'il faut déjà prendre soin de sa peau avant de se maquiller. Si vous ne prenez pas soin de votre peau avant de vous maquiller, c'est sûr qu'il y aura problème. C'est sûr que le maquillage ne sera pas à la hauteur de ce que vous voulez. Donc, il faut vraiment chouchouter sa peau et avant d'appliquer le maquillage. C'est ce que je vous conseille aussi. Et n'oubliez pas aussi de me dire en commentaire. Me dire en commentaire si vous avez essayé mes méthodes. Qu'est-ce que vous avez essayé comme produit? Si c'est bon, si vous conseillez d'autres produits. Voilà, échangez. Je réponds à vos commentaires. N'hésitez surtout pas. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo make-up, je ne sais pas, ou astuces beauté. Voilà, ça dépendra. Bisous, mes amours. On se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de mettre vos petits pouces et de partager la vidéo avec vos amis.